Ouais, Sana, elle a quelque chose à dire. Vas-y, dis. Non, j'ai rien à dire. Arrête de mentir. Mais je te jure, j'ai rien à dire. Pourquoi tu mens, Sana? Oui, vas-y, dis, là, parle. Mon petit frère, il est chez le CPE. Ouais, il est chez le CPE. Je l'ai vu. Je te jure. Je l'ai vu avant de sortir. Ah, j'arrête de mentir. Non, je te jure. Jure, elle dit la vérité. Ouais, elle dit la vérité. Ben, vas-y, hein. Vas-y. J'attrape. Faudrait que tu lui dises un jour. Mais je suis trop timide. Hey, mon petit frère, il est chez le CPE, là, vas-y. Il a fait quoi? Hey, je sais pas ce qu'il a fait. La dernière fois, il avait volé des quatre couleurs. Mais cette fois-ci, il va m'entendre. C'est vrai. Je vais lui faire des folies, des dingues. Mais pourquoi tu parles de lui? C'est pas grave, laisse-le, c'est rien, c'est le CPE. Laisse-le tranquille. Toi, tu peux pas comprendre, toi. Et du coup, frère, il est chez le CPE. Et du coup, bref, Sana. M'en fous de Sana. Toi, tu peux pas savoir ce que ça fait d'avoir un frère. Ah ouais, t'es enfant unique. Vas-y, c'est bon, t'es trop énervé. Viens, on part, viens, on part. Là, tu m'achètes une canette, hein? Ouais, t'inquiète. T'as pas vu la vidéo? Ah, elle était trop drôle, là, j'ai dit... Oh, mais qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Pourtant, je l'avais bien dégrisé avec les canettes. Vas-y. T'es trop bête, toi. Salut, Calvin. T'as pas d'euros pour moi et mes potes, on va acheter une canette. T'achètes une boisson, en plus, tu me dis ça cool, comme si t'étais un... Comme si t'étais peace and love. Bah, y'a quoi? C'est quoi le problème? Je crois que t'es drôle. Mais non. Bah... Là, tu vas chez le CP, tu crois que je vais te donner deux balles. J'avais oublié. T'as fait mon... quoi? J'avais oublié mon cahier. T'as fait quoi? J'avais oublié mon cahier. Pourquoi tu mens? La dernière fois, t'avais volé un téléphone. Maintenant, t'as oublié ton cahier comme de par hasard. Bah oui, c'est la vérité. Tout le monde peut faire des bêtises d'abord, moi, Mohamed. Vas-y, on les laisse parler. Venons, on y va. Vas-y. Cahier de maths, ouais, c'est ça. Ouais. Tu me crois pas? T'as un truc ici? Là, là. Frotte plus fort. Encore. C'est quoi ça? Hein? C'est les miens? Il y en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et pourquoi tu t'as toujours fouillé dans ma poche? Pourquoi? Pourquoi? Parce que t'es un voleur, tout le monde le sait ça. Quoi? T'es un voleur. Quoi? Ah, j'ai honte de toi, j'ai honte que tu sois mon frère. Parce que toi t'es parfait, vas-y, laisse-moi tranquille. Toi, je m'en ai rien à foutre. Je suis pas parfait, j'ai de la fierté. Tu viens avec moi passer des épreuves pour non. Le faire revivre. Non, c'est non, c'est non. Mon frère, il bouge pas. Tu vois pas? Si, je le vois bien. C'est pour ça que je suis là. Il faut que tu viennes avec moi. Non! Bon, bah, dans ce cas-là, débrouille-toi tout seul. Attends! Eh, de toute façon, j'ai rien à perdre. Ah, vas-y. Toi. Franchement, toi. Prends pas froid. Et je reviens tout de suite, hein. Attends ici. T'as compris? Reste sage. Je vais te ramener. Alors, t'es vraiment une princesse. Bien sûr, pourquoi? Tu ne me crois pas? Non, 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 clairement, non. Je te crois pas, non. Mais comment t'habilles? Ah oui, pardon, je m'habille trop de manière monde des vivants. On va changer ça tout de suite. Alors? C'est quoi ça? Comment t'as fait? Je te l'ai dit, je suis une princesse. Mon devoir est de t'aider à faire revivre ton frère. Mais pour cela, tu devras passer des épreuves. En étant vraiment sincère avec toi-même, tu réussiras. Et ton frère vivra. Toi, ça se voit, tu me connais pas, toi. Ça va être trop facile. Ça va pas être facile. On arrive à la première épreuve.
Tu vas devoir surmonter ta peur du vide et traverser ce pont. Moi, peur du vide? Putain, ah, comme je t'ai dit tout à l'heure, ça se voit, tu me connais pas. Hein. Et pas peur du vide. Ça, là, je le fais vite fait. Bah alors, je crois que c'était facile. T'as pas vu comment j'ai fait ça en vite fait? C'est facile. Oh là là. On arrive à la deuxième épreuve. Une fois entré, tu seras confronté à ton plus grand désir. La plus grande envie. Il faudra pas que tu cèdes et que tu passes son chemin. Oh! Calvin! Je te voyais pas comme ça! Hein. Lucas, c'est toi! Alors, qu'est-ce que tu as vu? Donc, il y avait des lingots d'or, avec un papier pour devenir président, une boulangerie avec des éclairs au chocolat, il me proposait un concessionnaire de voitures. Eh ben, ça va pas être facile. Tu vois, moi, je pars comme mon frère. Tiens, je pense que cette photo t'appartient. Tu l'as fait tomber tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il y a? Rien, rien. C'est mon mutuaire quand on était petits, avant on rigolait, on jouait, on s'amusait. Un jour, j'ai peur qu'ils finissent par me détester. Avant, on rigolait. On s'amusait, on partait ensemble. Maintenant, je ne laisse plus vivre. Surtout, je veux pas qu'ils sachent que moi aussi, j'ai des problèmes. Tu comprends? Si seulement ils revenaient à la vie, je jure que je ferais de mon mieux pour lui, pour nous. Tu as réussi la dernière épreuve. Tu as compris que le plus important était d'être sincère avec soi et tu as reconnu tes erreurs. Tu blagues ou c'est pour de vrai? J'ai vraiment réussi la dernière épreuve ou c'est pour de vrai? Ou c'est pour de faux? Pour de vrai? Là, tu rigoles pas, là. Je peux vraiment aller rejoindre mon petit frère. Oui! T'es bizarre, toi. Et qu'est-ce que je fais sur le trottoir? Eh, hey, pose pas de questions, on va boire un coca. Allez, lève-toi, là, vite. Eh, hey, t'es bizarre, toi. Vas-y, viens. Aïe, viens. Un sacré caractère, celui-là. Bon, à la prochaine.